quel est le secteur qui couvre à 70% les besoins du pays, à part le médicament. Les gens, parce que bien sûr, je ne leur en veux pas, parce que c'est une cible, le médicament, drame, kibira. Je voudrais que vous me rassurez, vous rassurez le patient algérien sur la qualité, certainement vous êtes intéressé à la qualité, la clargine de votre, je ne dirais pas votre concurrent, votre complémentaire. De toutes les manières, et vous avez raison de le signaler, il y a en Algérie plus de 4 millions de patients diabétiques. Donc, plus on est nombreux à servir le patient algérien, mieux ce sera pour la prise en charge du patient algérien diabétique. Donc, on est vraiment tous complémentaires puisqu'on apporte une offre de service qui est complémentaire. Du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique qui nous a aussi aidés dans ce sens. Donc, tout va dans le bon sens pour justement avoir ce couloir vert. Et on remercie vos équipes pour cette collaboration. Non, c'est parmi les, tout ce qu'on a mis en place pour faciliter le travail à tous les producteurs. Le couloir vert est important. Ce qui est important aussi, c'est tout ce qui est opération dédouanement du point de vue à France. Actuellement, une matière première qui arrive aujourd'hui, normalement, elle sort aujourd'hui. Elle ne doit pas stationner. Mais là, je tiens à dire que vos équipes vont des fois très très vite, notamment le laboratoire national du contrôle. Et ça, c'est aussi important. Tout à l'heure, vous me posiez la question de la confiance. Il faut savoir que tous les produits pharmaceutiques sont contrôlés. Le Pophilium et Nashraf, Al-Antilaq, Aoul, كميات من الأنسولين للتصدير. أن نشكر مسؤولين نوفو نورديسك على المجهودات اللي قاموا بها في هذه السنة الماضية، وبالأخص على انسجامهم مع استراتيجية وسياسة الصناعة الصيدلانية في البلد. Je voudrais à cette occasion, Excellence, souhaiter la bienvenue parmi nous. Je voudrais aussi, à l'occasion de la cérémonie de l'expédition du premier lot d'insuline fabriquée en Algérie, Made in Algeria, vers un pays pour lequel il est difficile de placer des médicaments, je dirais bravo pour le challenge pour le Novo Nordisk. C'est un début. Je pense et je suis sûr que vous allez continuer sur cette lancée. À travers les performances que vous êtes en train d'atteindre au niveau de cette unité, l'unité de Tizi Ouzou, vous avez semé la tranquillité au sein des malades qui utilisent vos produits et utilisent les produits des autres producteurs. Zertube, أول قناة إلكترونية في الجزائر.